Les abeilles, dans leurs habitats naturels, sont inoffensives, mais lorsqu'elles sont utilisées comme armes, elles peuvent être meurtrières. Salut tout le monde, c'est X-Tribe Boss et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau test d'armes sur Battlefield Hero. Donc aujourd'hui on est en compagnie de OX, salut à toi. Ouais, salut, salut. Et on est en compagnie de Toxic. Yep tout le monde. Donc c'est les The Toxic Twins, pour ceux qui ne savent pas. Donc aujourd'hui on va vous tester la Benny's Beehive en Royal. Ou la Strodinger's Nightmare en national. Donc avant de commencer, je tiens à remercier The Red Hero qui m'a prêté son compte que vous pouvez voir ici. Et il m'a demandé si je pouvais faire une dédicace à sa chaîne YouTube communautaire qui s'appelle The Frenchy Hero. Donc je te la fais maintenant. Donc allez voir The Frenchy Hero. Donc cette arme, elle ressemble en fait à une Bills bomb. Ouais, c'est un explosif en fait. C'est un explosif, ça remplace l'explosif en fait. Ouais, ouais, en fait, ils ont rajouté une case dans le truc, dans l'interface du menu Battlefield Bombs. En fait, ouais, ça remplace la Bills bomb ou la. Ouais, elle est disponible qu'un soldat, donc ça remplace la Bills bomb et elle coûte 3999 funds pour illimité. Elle a un grand radius. Ah oui, est-ce que j'avais oublié de dire ce qu'elle ressemble en fait à un nid d'abeille. Ouais, donc, un grand radius, mais précise que par contre, niveau dégâts, elle en fait pas beaucoup. Et elle en fait par contre. Donc, je vais essayer que sur une personne. Une. Vas-y. Sorry. Bon, on se retrouve. Ouais, on se retrouve tout de suite après. Yo, on se retrouve pour voir les dégâts que propose cette arme. Donc on va tester sur OX tout seul. OX. Et vous allez voir les effets que ça produit sur l'ennemi. Ah voilà, wow. Donc ça lui fait du 20. Donc voilà, donc on peut pas tirer avec pendant qu'on a ce truc. Vas-y, refais-le-moi. Ouais, attends, ça met quand même un moment à recharger. Et en fait, ça fait pas de dégâts au fur et à mesure qu'on se fait piquer par les abeilles, en fait. En fait, ça dure 3 secondes, on est paralysé, on peut pas tirer, on peut rien faire. On peut juste sauter. On peut juste sauter, ouais, rien faire. Et pendant le combat, ça peut être assez efficace, en fait. Ça peut être assez efficace. Ouais, parce que, genre, regarde, tu tires dessus, et puis le temps que le gars, il peut pas contrôler... En fait, tu peux pas contrôler ton écran, c'est ça? Si tu peux contrôler tes mouvements. Vite fait ta souris, mais c'est vite fait. Par contre, après, ouais, c'est vrai que ça peut être pratique. Admettons, tu blastes le gars. Après, j'essaie d'aller vers toi. Toi, tu me blastes. Ah, faites gaffe, c'est qui a cut? Ah, c'est Gansir. Ouais, donc là, maintenant, on va essayer quand ils sont deux, les ennemis. Donc, vas-y. Oui. Ça fait du 15. Enfin, là, parce que je l'aurais pas très bien tiré dessus. On va re-essayer, vas-y, mettez-vous bien à côté. Attends, ça fait un moment à recharger. Ah, ça fait du 40 quand vous visez bien sur les deux ennemis. Ouais, donc plus on est nombreux, mais c'est parce que, ouais, je reprécise, le radius est assez large, mais les dégâts sont longs. Et ça fait quoi quand je vous fais ça et que je vous blaste? Ah, ça fait rien. Ça fait rien parce que tu nous as pas touché. Si j'ai touché Toxic et quand je les blaste, les mouches elles sont parties. Les mouches, c'est les abeilles. Ouais. Pour les nationales, je précise, en fait c'est les fantômes, ça a une petite allusion au cri de Munch, donc c'est une œuvre d'art. attends, OX. C'est vrai. OX, on va essayer quand tu mets ton AG, ok? Je l'ai pas l'AG. Ah, tu l'as pas? Non. Ouais. Donc en fait quand on tire ce nick sur un gunner qui a l'AG, en fait il aspire. C'est comme les grenades, tout con. Ouais. Okay, on peut pas le péter en l'air, non? Vas-y, essaye. Ouais, attends, faut qu'on s'accorde. Vas-y, attends, je me mets à côté de toi. Vas-y. C'est quand même stylé comment il le tient, en fait. Ouais. L'autre c'est une fiole. Poule. Non, ça marche pas. On peut pas le péter. Essaye de le jeter à côté de nous et si on passe dedans, il me semble. Vas-y, et mettez-vous à côté de Stevix pour voir. Les trois pour voir. Putain.
Viens, je suis attends, vite. Arrête de vas-y. Bouger, s'il te plaît. Vas-y, non, vas-y. Ah t'es merde, ça m'a pas touché. Attends, je veux bien lui tirer dessus. Ce qui est marrant, c'est que yeah, ils ont fait un petit patch, genre, ils essaient d'enlever les abeilles et tout, ça s'est tué. 46. Et ça agit combien de temps à peu près sur l'ennemi? 3 secondes. Ok. Donc, voilà, si vous avez pas grand chose à rajouter sur cette arme, je parie. On a tout dit, je pense. Ouais, on a tout dit. Ouais, ouais voilà. Toxic qui me tue. Donc, j'espère que ce test d'armes vous aura plu, qui vous aura aidé à savoir si vous achetez ou non cette petite arme qui ne sert pas à grand chose. Donc, moi je vous dis ciao. Ouais, quoi ouais. Je trouve qu'elle sert, attends, tu rigoles. Elle peut servir, hein, ouais, en mais... plein combat. Ouais, mais pour moi, moi je trouve elle agit pas autant, assez de temps, parce qu'elle agit que 3 secondes. Okay. Ouais, mais bon, après, faut pas que ça devienne cheaté. Ouais, ouais, c'est sûr. Ouais. C'est vrai que c'est délicat pour eux, bah après. Donc voilà, enfin bon. Vas-y, envoie ta boule. Tu vois, quand je passe dedans, ça me fait rien après, par contre. T'as coupé Excel là ou quoi? Non. Ok, bon, mais ciao alors. Allez, ciao tout le monde.